Nous sommes fidèlement joueurs. Nous nous sommes rassemblés cette nuit parce que nous représentons la classe élite de sorciers. Nous possédons le sang pur et la magie plus puissante que les sorciers inférieurs. Les sangs de Bourbe, c'est notre mission d'éliminer cette ordure. Pour le bien du monde de la sorcellerie, ceux du sang impur doivent mourir. Ils salissent le nom de sorciers purs partout au monde. Les maudits ne méritent rien que d'être nos esclaves. Calme-toi. Nous ne pouvons pas changer notre nation simplement par des mots. Nous devons agir avant que nos ennemis aient la chance de nous opposer. Je pense que vous êtes mes héros. Changeons le monde pour tous les sorciers. Soyons les dieux d'une nouvelle époque et de justice et de prospérité. Ultranationalisme, forme extrême de nationalisme. Les ultranationalistes sont souvent fanatiquement loyaux à leur propre nation, tout en étant hostiles et racistes envers les autres nations. Un des exemples plus populaires de ultranationalisme est Adolf Hitler et l'Allemagne nazie. Nous savons tous l'histoire de l'Holocauste. Hitler était élu comme Führer de l'Allemagne et transfère ses idéologies de la supériorité de la race aryenne et de l'antisémitisme à son peuple. Hitler commence l'internement des Juifs allemands. Il envahit la Tchécoslovaquie sans que les autres pays interviennent. Puis en 1939, Hitler a commencé la Deuxième Guerre mondiale en envahissant la Pologne. Hitler était un homme charismatique qui a promis aux Allemands de rétablir la gloire de l'Allemagne. Il voulait atteindre ce but en refusant de respecter la traité de Versailles. Hitler a gagné le support de son peuple en utilisant de la propagande. Il a arrangé des rassemblements publics pour répandre son idéologie et il a publié le livre Mein Kampf, qui était aussi un outil de propagande. Hitler a aussi nommé un homme qui s'appelle Joseph Goebbels à un poste gouvernemental en charge de l'information et de la propagande. Le gouvernement nazi exerçait un contrôle complet sur l'information disponible aux Allemands. Les films, les livres, les journaux, les manuels scolaires, toute forme de médias devait promouvoir des valeurs nazies. L'audience cible de cette propagande, la plupart du temps, étaient les enfants et non les adultes. Dès le plus jeune âge, les enfants étaient enseignés le nationalisme extrême envers l'Allemagne aryenne et la haine envers des ennemis internes et externes. Même les contes de fées étaient modifiés pour promouvoir des valeurs nazies. Cette tactique était extrêmement effective. En 1939, Hitler avait le soutien inconditionnel de 90% de la population de l'Allemagne. L'ultranationalisme de Hitler était une des majeures causes de la Deuxième Guerre mondiale. Les crimes contre l'humanité de Hitler incluent les camps de concentration et le génocide envers les Juifs et d'autres peuples marginalisés, l'occupation de plusieurs pays et des crimes de guerre qui ont, en total, causé les morts de plus de 6 milliards de personnes. Son patriotisme envers l'Allemagne et sa haine envers le peuple juif étaient reliés parce qu'ils étaient tous les deux des produits de son ultranationalisme.